Et bonjour à tous et bienvenue dans Mission, votre journal d'actualité sur League of Legends. Je suis Lej et j'ai mes experts à côté de moi, à ma gauche et à ma droite. Twix à ma gauche, ouais, LRB à ma droite, ou plutôt Domingo. Salut. Bonjour, bienvenue dans Mission LOL. Expert. Expert League of Legends, lui aussi. Ça y est. Il remplace LRB aujourd'hui, étant donné que LRB est en week-end. Bonjour Domingo, comment vas-tu? Bah pas mal, pas mal. On a testé plein de petits trucs. Ça se perce bien. Là. Tu as fait une petite Nidalee justement durant ta ranked aujourd'hui en live. On va en parler juste après, étant donné qu'il y a eu une refonte justement sur le patch PBE. De ton côté, Twix, comment vas-tu? Ça va, retour de week-end. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Ouais. C'était cool? Ouais, bien reposé. T'as fait du League of Legends? J'ai fait du League of Legends. Diamant 3, hein, c'est bon. C'est bien, c'est ouais, bien. Voilà, c'est, bien. C'est le minimum. On se maintient un rythme de croisière assez tranquillement. Sinon, bah pas grand-chose, ça va. Je viens d'apprendre aujourd'hui que je devais enregistrer une musique avec Zerator, donc je suis très content. Oh, très très bien ça, on écoutera bien entendu ça dans le prochain Mission LOL. Mission LOL aujourd'hui, pas beaucoup de news pour être franc avec vous. Nous allons parler de la scène bien sûr e-sport avec quelques changements, vous allez voir ça sera en deuxième partie de Mission LOL. Première partie, on va attaquer directement avec le nouveau patch, le patch 4.9. Et sur ce patch 4.9, beaucoup de changements sur certains champions. Kassadin, Braum, Kha'Zix, Rengar et Soraka, ce sont les 5 champions avec le plus de changements. On va commencer avec Braum, le support qui fait rager beaucoup de bottom lane actuellement sur League of Legends. Mes amis des experts, Braum est-il cassé? Est-ce qu'il est nerfé au point qu'on ne le verra plus même? Non. Clairement pas. Ça reste un god tier en bottom lane? Oui. Clairement oui. Très bien. Qu'est-ce qui a changé donc sur ce héros? Des dégâts de base de l'auto-attaque qui ont été réduits de 3, ce qui est vraiment une modification très 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 mineure. Un nerf de son Z, non pas au niveau des valeurs de base, mais au niveau du ratio, c'est-à-dire les coefficients par lesquels il obtient donc de la résistance et qu'il la retransmet donc sur son skill là. Donc c'est... moins de dégâts pour le A, voilà. Le Z qui offre moins de stats défensives et qui s'améliore aussi moins. Et en plus, on a les dégâts d'attaque de base qui ont été diminués. C'est ça. Au final, c'est juste un équilibrage. Il est normal maintenant, le héros? Ouais, il est équilibré, mais il reste fort. Il reste dans les... C'est comme Thresh, en fait. C'est un héros fort, mais normal. C'est le passif, le plus gros problème au final? Je sais pas, c'est un peu le côté tout en fait. C'est un peu le côté tout, hein. C'est les mécaniques du perso qui sont fortes. Hein. L'espèce de mur que vous voyez là qui bloque les projectiles, enfin tout le monde a vraiment cette interprétation là. Incassable. Ça ne fait pas que ça en fait, ça absorbe énormément de dégâts. Par exemple, petit fun fact, si vous voulez par exemple absorber des skills avec le E de Braum, vous pouvez absorber par exemple quasiment tout un ultime de Z juste en mettant votre bouclier au moment où la marque explose. Vous voyez le montant absorbé 1004, 1005, enfin il y a des choses vraiment. Vraiment pété. Ouais, simplement pété, c'est pas normal. C'est un peu pété, donc ça fonctionne aussi en tant qu'absorbe de dégâts, donc c'est pour ça que c'est assez fort. Puis évidemment, le passif, qu'est-ce que je vous dis? Et comme vous voyez d'ailleurs sur le lecteur, il y a le patch note ici, là, juste à droite, justement, qui est disponible sur le site eclipsia.com pour tous les changements sur le 4.9. Allez regarder justement si vous voulez voir tous les petits détails. Un autre héros, Kassadin. Les buffs qui avaient été alloués lors du patch 4.6 ont été annulés suite aux dégâts du Z et la vitesse de déplacement de base aussi a été réduite. Est-ce que ces changements, encore une fois, vont permettre d'équilibrer Kassadin et de permettre à ce héros d'être tout simplement normal et non pas trop pété? Assez compliqué. Encore une fois, on est dans le même débat, je pense. C'est au niveau des mécaniques du champion que le problème est, pas au niveau de ses chiffres. Alors certes, il fait moins mal, mais selon moi, une fois qu'il atteint un certain niveau de stuff, on va avoir toujours le même problème. Encore une fois, c'est le kit là qui est un problème? On ne sait pas, parce qu'en fait, là, le nerf, en gros, c'est sur le Z. Certes, tu as besoin du Z, mais quoi qu'il arrive, tu as le fléau de la liche. Donc, en fait, ce qui était impressionnant, c'est le fait de voir « Ah, il n'y a pas Kassadin, je suis safe. Ah, bah, je suis mort. » Donc, c'était vraiment ça, en fait. Et je sais pas, ça va réduire légèrement le burst. Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Et pour l'instant, vous n'êtes pas très très fan de ce patch-là, j'ai l'impression. Bah, il y a des petits twinks, on réduit des valeurs, mais on touche pas vraiment au fond du problème. Si on veut toucher à Kassadin, bah, on touche par exemple sur le fait qu'il ait 1 milliard de mana en face de lane, ou qu'il ait un dash spammable toutes les 4 secondes. Enfin, faut toucher ces trucs-là. Après, si on touche les dégâts de base de son Z, ça, on va même pas le ressentir en game, parce qu'un Kassadin il va jamais vous poke avec son Z lorsqu'il n'a pas son ulti, ça n'existe pas. Bah je vais vous poser d'autres questions alors plutôt. Est-ce qu'on banne toujours Kassadin et Braum en solo queue? Braum oui. Ok, très bien, je note. Kassadin Braum, après, j'ai envie de dire, ça a autant de chances de réussir que de fail en fait. Ah. Moi de mon côté. Puis ça se counter assez en lane là-dessus. Ah ouais, justement, ça se counter, 2-3 champions possibles justement pour contrer un Kassadin.
Il y avait Domingo qui faisait un petit peu l'amour. Ouais, il était là, ouais, mais c'est très difficile à counter avec des picks normaux. Avant, c'était facile à counter. En fait, le problème, je trouve, c'est que là, ils ont up légèrement son early game. Donc, il n'y a pas le côté camp Kassadin avant le 6. Et après, justement, après ce 6, il se balade partout avec beaucoup de, beaucoup de mobilité. Donc, toi, tu dirais quoi comme pick justement pour Panthéon. Counter Panthéon. Ouais, bah oui, bien entendu, Panthéon. Panthéon, ouais. Pardon. C'est les deux seuls picks que je vois. Voire même peut-être un Renekton mid pour vraiment lui mettre une pression de ouf. Mais globalement, ce qu'il faut pour l'emmerder, en fait, c'est pas vraiment win sa lane, parce que ça change pas grand-chose au final, comme tu dis. Après, il commence à roam, il prend des kills, et puis voilà, il fait sa vie. Non, c'est de le shutdown en late, c'est-à-dire hard push, le mettre à 20 CS à 8 minutes, ce genre de conneries-là. Essayer de prendre sa tour, prendre des objectifs, en fait, accélérer la game. Donc la game aille plus vite. Avoir une temporisation. Voilà. C'est ça. Être très rapide. Qu'il puisse rien faire, en fait, c'est le but. Après, est-ce que vraiment dans toutes les games ça se passe? Non. Moi j'ai du mal à ce que ça se passe comme ça. Non, clairement pas. Surtout en solo queue. On est d'accord, en fait. En solo queue c'est tellement désorganisé que si tu veux faire quelque chose, si tu le push trop, tu te fais gank, il prend un kill. Donc un mi-ban pour Kassadin. Ou alors on joue Panthéon. Si vous savez ce que vous faites, pas la peine de le ban. Ouais, mais voilà. Bon, faut vraiment savoir ce qu'on prochain fait. Champion, est-ce qu'on le banne toujours? C'est Kha'Zix. Il a été super nerf apparemment lors du précédent Mission LOL. On vous en avait parlé avec LRB. LRB il était là, non c'est fini Kha'Zix, on ne pourra plus du tout le jouer. Mais il a eu quand même un up sur les cibles isolées avec son Q-Spell. Qu'est-ce que vous en pensez mes experts? Qu'est-ce qui se passe Twix? Non, rien du tout. Alors Kha'Zix du coup, Q-Spell, le Z, le R. Alors je vous fais un petit résumé tout de même. Le A fait moins de dégâts et l'isolement provoque moins de dégâts aux cibles. Mais l'évolution du A inflige plus de dégâts supplémentaires en fonction des PV... N'inflige plus de dégâts supplémentaires en fonction des PV manquants. Mais inflige plus de dégâts aux cibles isolées. Donc le Q-Spell amélioré fait quand même plus de dégâts. Le Z inflige des dégâts supplémentaires aux monstres. L'évolution du Z ralentit désormais les ennemis de 50% et permet à Kha'Zix de voir les champions touchés. Et l'évolution du R ne permet plus de subir moins de dégâts. Ça, c'est le gros changement par rapport quand même au précédent patch. Ouais. Est-ce que Kha'Zix est mort ou pas, finalement? Kha'Zix, tel qu'on l'a connu jusqu'au jour d'aujourd'hui, est mort. C'est-à-dire que Kha'Zix n'est aujourd'hui plus vraiment un bruiser, en fait, puisqu'il n'a pas de mécanique de tanking ou de temporisation, à part la furtivité qui maintenant... un trinket, une pink ward, et puis c'est chose réglée si tu as pas de Lee Sin ou de Nidalee ou de choses comme ça. Après par contre, son Q-Spell fait plus mal qu'avant dans un seul scénario, c'est si vous évoluez le Q-Spell et si vous mettez un Q-Spell sur une cible isolée. Là vous n'avez plus avoir une mécanique d'exécute, mais carrément un dégât supplémentaire en fait, avec un autre ratio, donc ça peut faire extrêmement mal. Donc Kha'Zix en split push, assassin, format 1v1 et compagnie, ça douille, ça terrorise tout le monde. Par contre, en dehors de ce scénar-là, c'est de la merde. Enfin, de la merde. Comparé à ce qu'il était avant, c'est de la merde. Donc un split push maintenant avec le Kha'Zix? C'est le meilleur scénario, c'est le scénario de up où il est plus performant qu'avant. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous jouez Kha'Zix comme vous jouiez auparavant, vous allez pas comprendre. Est-ce qu'il mérite toujours un ban? C'est ça ma question, au final. Même si on n'arrive plus à le builder tanky, bruiser, est-ce que ce nouveau Kha'Zix combattant assassin fait aussi peur qu'avant? Je me tâte parce que moi je trouve que c'est super en fait. Ils ont réussi peut-être à faire justement le côté. Avant, Kha'Zix c'était le gars fait des dégâts monstrueux et l'autre côté il tank. Donc. Donc ce n'est pas normal. Arrêtez la cocaïne. Voilà. Stop. Où est le point faible? Voilà, c'est ça. Et donc là maintenant c'est vraiment. S'il jump sur une cible isolée, c'est terminé. Faut arrêter, la cible est morte. Mais en phase de teamfight, ça va être compliqué. Il va vraiment avoir une option brain en mode tu peux pas jump avant comme avant. Je suis là en premier, je temporise ensuite, je retemporise. Il va vraiment falloir justement bien gérer le coup. Et, 10 000 gold. Et donc, je sais pas s'il va être vraiment must ban. Au début, moi je continuerai à le ban en tout cas pour voir un peu. Et puis au cas où. Voilà. Bien entendu. Pas envie qu'il prenne 2 kills en bot lane. Non. On a fini pour Kha'Zix. On le verra probablement pas en jeu compétitif avant un petit moment, je pense. Mais il y a tous les joueurs de solo queue, les kerp, les machins, les trucs, les bidules, qui le testent beaucoup en solo lane et en top lane notamment, dans un format split pusher et compagnie, avec très très peu de farm, etc. Avec le Z qui fait plus de dégâts sur la jungle, si on essaye de bidouiller un petit peu ce qu'on peut en faire. Pour l'instant, il fait très mal. Ouais, je suis plutôt d'accord, je confirme bien entendu les dires, étant donné que moi-même j'ai fait un Kha'Zix top hier soir, plutôt bien passé, en finale j'ai fini la game à 3-12. On va passer au prochain héros, deux champions encore à traiter dans ce patch live, Rengar et Soraka. Est-ce qu'on parle de ces deux héros en détail, étant donné qu'il n'y a eu que des petits changements, des corrections de bugs sur Rengar
Et puis sur Soraka, on a juste changé un petit peu le passif justement du Q-Spell qui permettait aux Z de revenir un petit peu plus vite. Bah, pour Soraka, pas vraiment, parce que tu l'as expliqué, voilà, Q-Spell, ça réduit un peu plus le CD du heal, c'est à peu près tout ce qui est changé. C'est tout. Voilà. Par contre, sur Rengar, ce qui change, c'est... Alors, on n'a pas enlevé la composante crit du Q-Spell, à proprement parler, mais on a enlevé, on va dire, la moitié d'une composante crit du Q-Spell. Je m'explique. Parce que ça... Oui, parce que là, c'est un petit peu confus quand même. En gros, quand vous faites votre A avec Rengar, votre A amélioré, ça fait des dégâts supplémentaires. Oui. On est d'accord là-dessus. Mais cette portion de dégâts supplémentaires par rapport à un A normal était également capable de crit, ce qui donnait bien sûr des bursts. Enfin, voilà, vous êtes tous de débiles. Vous êtes pris un Rengar durant le mois dernier, je pense. Oui, oui, tout le monde, avec les 4 de RAM, etc. Voilà, ce bordel-là. Donc en gros, maintenant, le Q-Spell amélioré de Rengar ne peut pas crit, mais le Q-Spell de Rengar peut toujours crit. Donc ça fait moins mal, c'est moins abusif, mais si vous prenez un Rengar sur vous, c'est pas... Est-ce que c'est ça vraiment qui faisait de Rengar le héros un petit peu qu'on voyait assassin, le héros tueur de ces derniers temps? Pas vraiment, c'est plus au niveau de la mécanique de son ulti. Et puis là, c'est l'itémisation en fait qui change. Parce qu'on déboule sur la gueule avec un Tiamat, une Yomu. Bah forcément, si un assassin arrive à ton corps à corps avec ce stuff-là, enfin que ce soit Soraka, que ce soit machin, il te défonce. Hein. C'est tout normal, hein, on va dire ça comme ça. C'est furtif, ça saute. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre avec Kha'Zix, c'est que c'est pas au moment où il saute. Rengar. Rengar, pardon. Pareil. C'est son frangin. Oui, voilà. C'est pas au moment où il saute que son ulti le fait régénérer de la fureur. C'est au moment quand il sort de la furtivité, puisque si vous voyez un Rengar vous sauter dessus avec une barre en full de passif, c'est qu'il l'a préparé avant. Bien sûr. C'est juste ça. Et ensuite, après, il régénère une barre, et c'est là qu'il vous remet une douille supplémentaire. Donc, je trouve ça normal pour éviter les one-shots, parce que ça frustre pas mal les personnes. Mais globalement, Rengar est toujours jouable. Un petit mot sur le Rengar en ce moment, peut-être Domingo, justement, en diamant 1 sur un top lane. Est-ce que t'en vois beaucoup? Est-ce que c'est le genre de champion qui se tombe? Ouais, game, c'est un peu comme Panthéon, il y a un peu la mode Panthéon qui est en train de revenir en top lane aussi, qui genre vient, botte de mobilité et compagnie. C'est le côté, bah tu joues pas en fait, en tant qu'AD carry, c'est pour ça que c'est horrible. Et enfin, peut-être que pour le moment, pour les AD carry, vous verrez après. Teasing. Mais non, mais enfin ouais, pour moi, Rengar, ça demande quand même d'être mieux joué qu'avant, on va dire, parce que avant ça stackait, enfin dès que t'étais en ulti, tu prenais des stacks automatiquement, t'arrivais, bah, sauf si vraiment t'étais mauvais, et tu tuais, donc là... Faut juste voilà, bien timer l'item order, enfin justement pour activer les actifs et activer les actifs. Et après, il n'y a plus aucun souci. Après, voilà, tout le monde disparaît. Allez. Ouais. Très bien, très bon personnage. Yumu, Tiamat, c'est bon. C'est ça. Yumu, Tiamat, c'est les deux items que vous conseillez justement, ces experts. On a fini pour le patch live. On va passer au prochain changement qui devrait apparaître suite au patch PBE. Et on va partir directement... Ah non, on va pas partir dans ça, non. Puisqu'il y a eu un changement d'abord qui a été effectué sur Patch Live. Très important, on vous en avait parlé dans le précédent Mission LOL, c'est un changement dans la jungle, l'expérience supplémentaire. Les monstres de la jungle n'offrent plus d'expérience supplémentaire en fonction de leur niveau, et tout ceci pour rester cohérent avec l'expérience des sbires. On vous en avait déjà parlé dans le précédent Mission LOL, et Twix est très content par rapport à ça. Est-ce que tu veux réagir d'ailleurs? Bah, c'est un changement en fait qui est présent depuis la 3.14, c'est-à-dire depuis qu'on a commencé la saison 4. Lorsque vous allez dans un camp de jungle, vous voyez au niveau du profil du monstre, il y a un niveau. Et si vous êtes un niveau en dessous du niveau du monstre que vous voulez taper ou du camp que vous voulez taper, vous gagnez 50% d'XP supplémentaire. C'était énorme, on est d'accord. C'était énorme. Et c'est là, puis donc, sortie S4. Et ça a été changé hier. Alors que rien ne laissait supposer qu'il allait se passer quelque chose comme ça. C'est vrai. C'est depuis la 3.14. Et là, 4.9, non, c'est fini. Donc tu penses que c'est Mission LOL? Je pense que c'est Mission LOL. Ça sort d'où? C'est remonté très haut. C'est remonté très très haut. Ouais, ça sort. Merci à vous, bien sûr. Peut-être que quelqu'un de Riot Games est en train de nous regarder actuellement. Merci, de toute façon, on sait très bien où tu as tes informations. En tout cas, c'est un changement majeur quand même sur les... Pas vraiment solo queue, vous n'allez pas vraiment le sentir, puisque bon, ça arrive très rarement que le jungler en fait fasse un camp de jungle avec un niveau en dessous de lui. Ça arrive très rarement. Ça dépend. À part si c'est bien sûr l'Edge qui est jungle, hein. vous connaissez un petit peu le bordel, ou si vous allez taxer des camps avec votre top laner, votre mid laner. Mais dans un schéma compétitif, où là, c'est la guerre pour taxer de l'XP à gauche, à droite, on essaye de faire des trucs, ça va changer pas mal de choses quand même sur les level 2, sur les timings de téléport et tout. Donc les pro players, à mon avis, ne doivent pas être si contents de ce fixe. Très bien, une petite réaction, ou rien du tout, Domingo, de ton côté. Tu trouvais que c'était normal, justement, on va dire, ce pourcentage en plus qui était... données sur les monstres dans la jungle?
Je t'avoue que moi, j'étais un peu comme Riot, tu vois. J'étais en mode, je suis mission LOL, mais pas forcément à fond sur cette info. Après, en gros, quand t'étais derrière, ça te permettait de remonter mais assez exactement, rapidement. Exactement, ça donc, permettait aux joueurs qui étaient un petit peu mal dans leur partie, bah, peut-être de revenir. Donc ouais, je pense qu'en solo queue, on va pas forcément s'en rendre compte, sauf si t'as déco. Enfin, sauf si t'avais déco avant, que t'arrives level 1 et que les autres sont 10. Mais par contre, ouais, dans une optique LCS où tout le monde essaye de gratter, comme t'as dit, l'XP, où ils sont à 2 sur un camp, etc., ça va vraiment influer. Donc, ça aide beaucoup, hein. C'est ça. Merci messieurs pour vos avis justement sur ce patch live. On va continuer encore avec quelques petits changements sur ce patch. Alors pas in-game, il y a des changements dans la liste d'amis sur le client, les récompenses d'équipe qui sont live maintenant, les balises adopteront les skins que vous leur avez attribués, et enfin le skin de Queen Éclaireur Pastel sortira durant ce patch-là, donc 4.9. Donc bonjour à tous les joueurs de Queen, évidemment. Je sais que vous êtes très nombreux sur le YouTube, on en a parlé d'ailleurs la dernière fois. Attends. Oui. Le nom du skin de Queen ? Éclaireur Pastel. Il est beau, tu peux pas critiquer. Ah non, mais il est beau, on l'a vu, ok, mais Éclaireur Pastel. Mais il y a un skin d'Ash, un truc, ou de Ezreal peut-être. Éclaireur Pastel. Éclaireur Pastel, c'est un petit peu. C'est peut-être un éclaireur et l'autre pastel, ils ont fait. Éclaireur Pastel. Je ne sais pas quoi dire pour ce nom-là. C'est dur. On a fini pour ce patch live. Il se passe déjà des choses. Donc sur le PBE, outre la refonte de Nidalee. On va en parler évidemment, ne vous inquiétez pas, qui est présente. Il y a des gros changements en prévision sur les carry AD. Oui, ouais. Des gros changements ouais. Sur les carry AD justement. Et c'est le forecast, donc je fais un petit signal discret à la régie, parce que c'est le moment, c'est maintenant où on met justement les petits screenshots. Alors, Riot Games a sorti les prévisions du prochain patch et ce qu'ils voulaient modifier au niveau des carry AD. Vous voyez ici, on va y aller en trois étapes. On va commencer par Doran's Blade, en bas à droite ici. Donc à gauche, les anciennes stats, à droite, les nouvelles, on perd 10 PV, on perd 1 d'AD. Par contre, au lieu d'avoir 3-5 PV reçus au toucher, c'est-à-dire que aucun rapport avec combien de dégâts vous faites au monde, etc., c'est un montant flat, vous allez avoir maintenant du pourcentage de la steel et pas n'importe quel chiffre. 3% 3 putains de pourcents. C'est énorme. Excusez-moi pour le putain, parce que si vous vous souvenez... Donc c'est 2 quintessences maintenant. Une quintessence, c'est 1,5%. Et là, donc, pour 440 gold, 3% de la steel, cache pistache. Ça veut dire quoi? Bah ça veut dire que sur le late game, ça va être beaucoup mieux l'épée de Doran. Ça veut dire qu'en late game, on va pouvoir garder la Doran dans son stuff. C'est ça. Déjà, cool. Première chose. Ça veut dire qu'on va commencer à en faire. C'est-à-dire qu'on va avoir un petit syndrome Genja qui va s'installer à peu près sur tout le monde. Merde. C'est-à-dire qu'on va faire 3 Dorans, comme ça 9% lifesteal. Comme ça, au Vampire Acceptor, on est à peu près bien. On est à peu près bien là-dessus. Mais quel est le but finalement de faire tout ça, de changer la Doran's Blade? Eh bien, c'est directement un sniping à la BTO Bloodthirster que vous voyez juste au-dessus. À gauche, les anciennes stats. À droite, les nouvelles. On gagne 10 AD. On gagne 3% de lifesteal. Sachant que les statistiques d'une BT stackée sont 70 AD plus 30, donc 100, et 12% lifesteal plus 6, donc 18. On est là-dessus. Donc c'est... C'est 118. C'est ça. Donc c'est 100 et 18. Là, on arrive à 80 et 15. Du coup, vous allez me dire, où est passé le stacking? Bah, vous le voyez, c'est marqué, hein, c'était enlevé, ou à Rimwood. Et qu'est-ce qu'il y a à la place, justement, de cet ancien stacking? Alors, c'est intéressant. C'est assez intéressant. Le seul inconvénient, c'est qu'on a, vous voyez, dans la descriptif, on voit tous de XSUP, tout X. X, c'est la valeur, en fait, d'un bouclier qui va se construire en fonction du soin, de l'overheal, c'est-à-dire du soin effectué lorsque vous êtes full point de vie. Ce soin-là ne sera pas perdu, mais constituera un bouclier qui aura une valeur maximum de X. Et ce bouclier restera actif tant que vous resterez en combat sans avoir un downtime de 15 secondes. Pensez un petit peu passif de Graves. D'accord. Donc on va avoir un bouclier supplémentaire, un peu à la mort de Kaiser, ce genre de conneries. Mais il faudra toujours auto-attaque, c'est ça que tu es en train de dire. Mais il faudra toujours soit prendre des dégâts, soit en effectuer. Rester en fight, quoi. Voilà, rester en fight, tout connement. Bon, bah, tu as très bien expliqué tout ça. On n'a pas la valeur de X, par contre. Bah ça, c'est tout à fait normal, bien sûr, on l'aura prochainement. On passe à autre chose, peut-être. Les on BF. À la BF ouais. Alors, les BF, en fait, vont être un petit peu normalisés, ainsi que les daggers attack speed. On n'a pas encore tous les chiffres pour les dagues attack speed, donc à 400 gold, etc. Par contre, pour la BF, on a les chiffres. En somme, l'item prend 5 AD, on passe de 45 à 50, pour 50 gold de plus. Oh, ça va, c'est pas cher. 50 gold de pas plus, cher. 5 AD, c'est totalement rentable, niveau théorique, crafting, etc. C'est totally worth it. Et il y a un peu le même principe sur la dagger, par exemple, les prochaines bottes de Berserk auront un coût de 50 pièces d'or supplémentaires,
mais 5% d'attaque speed en plus sur l'item. Donc là aussi, totally worth it. Un bon équilibrage pour les carry AD, vous pensez justement, cette itemisation qui va changer un petit peu? Ouais, je pense que ça va faire un peu comme de la saison 2. On va peut-être repartir justement sur du 3 Doran, ouais. Directement peut-être une IE, tu vois, sur des persos comme Kate, ou genre, bon, Ashe, ça serait un peu gros de la revoir, mais Kate, si tu pars sur une IE directement, ensuite t'enchaînes sur un danseur fantôme, et tu as toujours ces 3 Doran pour avoir 9% de lifesteal, ce qui est correct, dès que tu mets un crit, c'est juste plus le même monde. Hein. Et on voyait que maintenant, en fait, on prenait la BT, parce qu'il y avait tous ces persos tout simplement qui stackaient, qui étaient un peu casteurs. On voit du Lucian, ouais, ça fait juste beaucoup trop mal. On joue plus tant que ça avec les auto-attaques maintenant, c'est juste du... Enfin, bien sûr que si, avec le passif et tout, mais c'était beaucoup avec les skills. Et je pense qu'on va repartir sur peut-être de la Caitlyn, IE first, et ensuite justement aller chercher peut-être un danseur fantôme, et la BT peut-être beaucoup plus late. Enfin après, je sais pas. Moins de BT maintenant ? Moins de BT, ouais. Définitivement, parce que la BT, ça sert pour les casteurs AD, comme Domingo le dit, avec les ratios et compagnie, puisque les habilités, pour la plupart, bien sûr, il y a des exceptions, ne peuvent pas crit. Donc en soi, bulle du crit en early, tout le monde s'en fout en fait, parce qu'on n'attaque pas suffisamment rapidement pour valider cette statistique. Et clair, moi, le lifesteal, c'était une des statistiques qu'on n'avait plus dans les runes, là, actuellement. Au niveau des carry AD, on avait de la vitesse d'attaque, c'est bien, oui, ça, voilà, généralement. C'est ça. On a enlevé. Alors, il y a une extrême majorité des joueurs, bien entendu. Des joueurs qui ont gardé le lifesteal. Une majorité des joueurs qui ont gardé. Mais quand tu montes plus haut dans le ladder, on a tous dégagé hein, les quintessences lifesteal. On a mis de l'attaque speed, c'est beaucoup plus rentable. Parce que 1,5, c'est pas worse. C'est n'importe quoi, bien évidemment, que c'est pas worse sur des slots quintessence quand tu peux avoir 4,5% d'attaque speed, évidemment. Donc, résumez-moi, épée de Doran, plus de sceptre vampirique. C'est ça, en gros? C'est une possibilité. C'est pas sûr, en fait. Il faut voir. Mais je pense qu'avant, en fait, on était. Si tu prends Caitlyn, si à l'heure actuelle tu fais une IE first, tu te fais insulter par tout le monde. Ce qui est normal, parce que tu peux pas trade. C'est un item un petit peu mid-game. Or que là, justement, 3 Doran, peut-être un peu early, tu vas te dire, voilà, tu vas quand même prendre un peu d'HP et tout. Pas trop d'AD, mais direct ensuite la BF, et ensuite t'enchaînes. Donc, non, ça va être intéressant de voir, mais je pense que justement, quand t'auras l'IE, tu l'auras peut-être un petit peu plus tard qu'une BT, mais tu vas faire beaucoup, beaucoup plus mal. Tu vas faire beaucoup plus mal aux champions adverses, puisque la BT, elle avait une autre utilité, c'était que c'est un item qui coûte 3200 et qui donne 100 d'AD. Ouais. Donc pour push une tour, j'ai envie de dire... T'es bien. Voilà, t'es bien. Et tu peux pas crit sur une tour, donc avoir une IE, etc., c'est totalement pas rentable. Donc on avait ça, la BT, pour le lane sustain, pour pouvoir push suffisamment vite et pouvoir push les tours, penser LCS, penser split push tower, penser les timings de DPS sur les tours. Tout ça, c'est un petit peu reset, en fait. On perd 20 d'AD là-dessus, et on va avoir de nouvelles viabilités sur les carry AD en eux-mêmes. Peut-être Kog'Maw, qui sera beaucoup plus pertinent aussi. Par exemple, Vayne, qui sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus pertinente, elle, puisqu'elle a le stéroïde Q-Spell qui augmente les dégâts de sa prochaine auto-attaque, donc du coup, pourcentage lifesteal, même principe que Draven, finalement, avec ses haches tournoyantes, on lifesteal plus. Donc, on aura pas mal de viabilités qui vont se développer comme ça, dès que ce sera live. Eh bien, on en parlera plus dans le prochain Mission L, quand, en tout cas, ce patch sera en live. On parle d'une dernière petite chose tout de même, j'en ai parlé au tout début, c'était Nidalee. Justement, il y a eu la refonte et elle est actuellement sur le patch PBE. Nous avons notre Domingo National qui l'a joué il n'y a même pas une heure. Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu, juste ton ressenti à propos de ce rework justement? Est-ce que c'est plus fun à jouer, moins fun? Est-ce que c'est plus fort, moins fort? Est-ce que tu as un avis? C'était nécessaire déjà pour commencer, parce qu'à l'heure actuelle, c'est pas possible d'avoir... Je joue, j'adore Nidalee, hein. C'était juste trop facile en fait. C'était un des seuls champions où si tu mettais un skill shot, les gens te félicitaient. T'es en mode, bon, il a pas mis son skill shot, c'est pas grave. Oh, il a touché, bravo. À l'heure actuelle, c'est quand même super rare. Tu vois, si un Ziggs, il loupe toutes ses bombes, tu vas pas lui faire, bah, bien joué, mec, t'en as touché une. Ouais, il y a Blitz aussi, mais... Et Nida, en fait, c'était juste, t'avais pas besoin d'être vraiment excellent. Tu touchais juste une spear, en tout cas en solo queue. Et la game était terminée si c'était après 30 minutes, parce que si ça touchait le support, mid, AD, le jungler, ça dépend si c'est un Lee Sin, bah, tu pouvais juste plus fight, et donc le team fight était remporté. Ça a beaucoup changé, le gameplay est vraiment différent, donc il y a un grand article sur Eclipsia qu'on vous laisse un peu... Découvrir, étant donné qu'il y a tout qui a été détaillé à propos de la refonte, bien sûr, de cette Nidalee. Mais au niveau du fun, au niveau un petit peu de la jouabilité du gameplay, est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'ils ont réussi leur travail, tout simplement, Riot? Je sais pas, on va dire, parce que moi je la joue en mid, je pense que le gameplay va juste changer en fait, c'est un nouveau perso à l'heure actuelle, on peut juste plus partir... À l'heure actuelle, les spires ne font pas mal, il faut absolument appliquer cette marque du chasseur qui te permet de courir et tout, et tes dégâts sont monstrueux après en forme de cougar, donc c'est beaucoup plus 1v1, sauf que 1v1 avec Nidalee c'est bien, mais à partir du moment où... Tout à l'heure je me suis pris un gang de Panthéon, j'ai duré 1,2 secondes. Ah, très bien. Donc c'était express quoi. Mais donc c'est un peu ça le problème, donc peut-être partir Bruiser top avec une petite trinité, ou alors en jungle je pense qu'il va falloir tester parce qu'il y a peut-être des choses à faire. Bah justement on a Cougar level 1 en plus, c'est ça? Ouais, le
pas mal d'AOE. On a le Cougar level 1 et avec pas mal d'AOE, donc ça risque de faire donner des choses pas mal. Et puis sur la top lane, Bruiser, je pense aussi qu'il y a, ouais, y a vraiment une grosse niche ici, parce que top lane, t'as l'occasion de jouer avec les debuff trap, etc. Enfin, t'es à peu près tranquille en solo queue. Hein, tu ferais quoi justement au niveau des items avec cette Nidalee top? Ça sera la dernière question, puis après on ira sur la rotation. Je pense que je ferais un start Doran's Blade. Okay, typique, pourcentage lifesteal avec la prochaine. Les trois Dorans? Voilà, les trois Dorans, peut-être. Les trois Dorans. Puis Nidalee Bruiser top à l'ancienne, c'est parti. Vu que au niveau du Q-Spell, qui est la principale source DPS du Nidalee top avec ses auto-attaques, bah, finalement, ils ne l'ont pas changé, ce Q-Spell-là. Il fait toujours autant de dégâts avec même un scaling, avec un scaling magique qui s'est ajouté au scaling IAD. Donc, peut-être jouer là-dessus, je sais pas trop. Très bien, bah merci messieurs pour toutes ces informations concernant le patch 4.9 qui est live et le prochain patch PBE. On va se retrouver dans quelques secondes pour la rotation promo et skin. Ah, je vous ai pas menti, hein, quelques secondes comme vous avez pu le remarquer. Alors, rotation promo et skin donc, la rotation c'est la même que durant le précédent mission LOL. Akali, Annie, Diana, Fizz, Gangplank, Gragas, Kog'Maw, Lucian, Thresh et Wukong. Au niveau des promotions jusqu'à demain soir, vous allez avoir Nautilus, Souterrain pour 487 RP. La rotation qui vient d'apparaître, est-ce que vous conseillez peut-être un héros messieurs? Excusez-moi Régis, etc. On a été un petit peu trop rapide sur ce coup-ci. Domingo, est-ce que tu conseilles un héros pour les débutants, pour les joueurs aussi confirmés? Pour les gens qui commencent un peu à tâter LOL, Fizz, c'est un peu comme Akali, donc c'est vraiment un perso avec lequel tu peux t'amuser. Moi j'ai débuté avec Akali, tu fais des kills partout. Après honnêtement, si vous voulez débuter AD Carry, peut-être Lucian, Thresh en support, c'est pas mal. Et peut-être une petite Diana aussi. Dis donc, il nous choisit des héros bah, un peu compliqués tout de même le Domingo. D'ailleurs, hein. Akali ça va. Fizz, tu fais bien en parler Akali, parce qu'il y a un bug sur Fizz. Il y a un bug de malade en fait. Si vous mettez votre E et que vous utilisez le Zhonya lorsque vous êtes en l'air, c'est-à-dire planter la fourchette plantée vers le sol avant de ratterrir, en fait l'animation du spell continue même si vous êtes encore en Zhonya, ce qui fait que si vous attendez une seconde, il va y avoir l'explosion au sol et même l'animation de votre perso qui va mettre une auto-attaque alors que vous êtes sous Zhonya. C'est complètement bugged shit en fait. Merci Twix donc pour cette information. Fizz bugged shit, attention. Donc il faut jouer Fizz, c'est ça ce que, Zhonya. Ce que j'en retiens. Vous utilisez votre Zhonya mid-air, lorsque vous utilisez votre E, il va partir quand même. Pour très bien. Marrant, par contre c'est risqué, parce qu'après, ouais. Aucun autre champion que vous conseillez? Lucian. Ouais, Lucian. Lucian. On passe aux promotions avec donc 3 champions, 3 skins comme d'habitude. On commence avec les skins. Nous avons Nautilus Souterrain pour 487 RP, Shaco Masqué même prix. Nous avons Akali Aiguillon, c'est ça le vrai nom de ce skin-là, Aiguillon. N'importe quoi, 260 RP, donc 487 pour les deux autres, et nous avons Blitzcrank Vayne et Syndra, 487 RP pour cette dernière, 440 et 395 pour les deux premiers. Blitzcrank, Syndra, Vayne, les trois héros, faut les acheter de toute façon. Les trois, faudrait les acheter. Ouais. Domingo, pas Blitz. Pas Blitz. T'es pas d'accord? Pas Blitz. Non, ça dépend. Blitz. Prends le point, le Q-Spell, il est marrant. Blitz, c'est un perso fun. On est d'accord. Au niveau des skins, gardez vos sous. Gardez vos sous. Parce qu'il y en a qui arrivent, justement. Exactement. Et on va en parler dans cette rubrique avec la Coupe du Monde qui arrive à grands pas. Riot a réalisé 5 skins sur le thème. Un arbitre, 3 joueurs et 1 supporter. Alors pour l'arbitre, évidemment, on a deviné, hein, c'est Twisted Fate, Red Card, etc. Pour les 3 joueurs, ça sera Maokai dans les buts, Lucian avant-centre et Alistar en stopper. Du côté du fan, eh bien, c'est Gragas qui s'en chargera. De toute façon, il a plutôt l'habitude au niveau de l'ambiance. 750 RP pour les 5 champions. On a notre champion aussi qui va être disponible, c'est celui de Draven, qui est lui prime time. Il est sorti sur le PBE 975 RP, un skin un petit peu plus sympa quand même que les 5 précédents. On peut aller regarder justement peut-être hein, si Amaury en régie a le skin. On a aussi un dessin de Satine Illustration qu'elle nous a fait aujourd'hui. On va le découvrir bientôt dans Mission LOL, ça va apparaître dans quelques secondes l'image peut-être. Clac, clac. Et voilà. Allez, c'est bon. Donc Draven, prime time, comme vous le voyez, vous pouvez retrouver cette image sur Facebook ou le Twitter Mission LOL ou alors sur le Twitter de Satine Andreska. J'espère avoir bien épelé le pseudonyme. Sympathique l'image. L'image est cool, les skins en eux-mêmes sont pas ouf, hein, ah ouais. Vraiment pas. Lucian... Toi, t'es pas fan. Ouais, Lucian, je me suis senti escroqué un petit peu. Twisted Fate un peu, mais bon, il est marrant. Maokai, c'est cool. Maokai, on a un petit but ouais, justement sur les épaules. Ça, c'est plutôt sympathique. Alistar aussi, il est sympa. Ouais. Genre, mais après, c'est vrai que sinon, c'est vraiment... c'est comme les SKT pour moi. Il y a pas d'effet particule, de particule. Y a désolé. Bengi et Lee Sin. Toi, j'ai vu que t'as bien aimé le Lee Sin. Par exemple, des guns différents pour ouais. Lucian, je sais pas, des trucs. Oh, une petite différence quoi, un effet visuel différent. Des gants de foot. Draven Prime Time.
Primetime, par contre, il est pas mal. Il y a des micros insérés, genre dans les haches. Des micro-haches. Bah, vous les voyez justement, ces micro-haches. Et vous voyez d'ailleurs ce Draven. Est-ce que tu l'achètes, Twix, toi, étant donné que tu es un joueur de Draven? T'as sympathique, ce petit... Petit bordel là. Wow. Un petit bordel. Petit truc là. Ça fait pas trop le bourreau. Ça fait pas trop bourreau en fait. Parce que Draven, c'est un bourreau, c'est un mec qui tue des gens. Là, c'est un présentateur officiel. Donc, c'est cool, mais ça, pour moi, ça pète un petit peu le. On va dire le background du perso. Parce que c'est censé être un barbare qui décapite des gens. Donc, Je suis complètement d'accord. On a fini sur ça. Dernière information tout de même, puisqu'on avait oublié de vous le dire dans le précédent Mission LOL. L'erreur est donc réparée maintenant. Nami Nayad est disponible. Donc, le héros. Inspiré de la mythologie Guarani 975 RP, maintenant dans vos boutiques de League of Legends. C'est bon, on a fini pour tous les skins, on se retrouve dans quelques secondes encore une fois, pour les brèves, il n'y en a qu'une seule. Donc une brève, ça va aller assez rapidement. Riot qui débarque à la Japan Expo à Paris. C'est pour le 15e anniversaire de la Japan Expo donc. Ça sera fêté comme il se doit du 2 au 6 juillet. Vous pourrez les retrouver sur le stand League of Legends pour participer à des séances de dédicaces, des séances de dessin, des défilés de cosplay, des jeux sur scène, des games avec la communauté. Enfin bref, un programme très chargé avec son lot de surprises évidemment. Donc vous pouvez les retrouver. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des goodies. Ne t'inquiète pas, goodies. Tu peux y aller à prendre des goodies. Du 2 au 6 juillet à la Japan Goody. Expo, donc à Paris. C'est une très bonne idée de la part de Rito Games, évidemment. Donc, on les félicite. Pouce bleu, pouce vert, pouce levé. Il y a des statuettes? Il y a des statuettes, ne t'inquiète pas. Il y a tout. On a fini avec l'actu LOL, on va passer à l'actu e-sport. On se retrouve dans quelques minutes. Allez, même pas plus de 2 minutes. À tout de suite.